suite. Ok, Allez, pas de problème. seconde. 5. 2.1. Double Go! shot. Je sais tellement plus jouer à ce jeu. Ah, mais j'ai pas le son en Oula, ça va plus. vite la souris. Ça va plus vite que Portal, dis donc. Putain, c'est trop clair. Oh, j'ai dû tellement faire bugger le son du jeu en fait. Bon bah désolé, c'est sans son du jeu, du coup je vais vous faire les bruitages à la bouche. Vous, piou, Je faisais pareil avec mes trompes de tout à l'heure. Ah si, il y a un peu de bruit, un tout petit peu. Putain, j'ai l'impression qu'on est proche du sol par rapport à Portal. C'est quoi Ouais, le rocket jump? C'est le mec qui est déjà là. on est tout petit. T'as des petits pieds. Ah mais oui, je compare pas du tout contre mon PB, je dois comparer contre mon average ou ma worst average ou un truc comme ça. Ils ont rajouté un truc trop chelou. Worst average. Que On ce aime que pas. en moyenne tu peux faire de pire. Peut-être. C'est en moyenne les 10 plus mauvais. Oh, le super jump direct quoi. Ouah, je suis passé. Ah, il est déjà devant moi ce con. Quel con ce con. Oh non, Ah, je peux pas je suis passer. mort. Je me la suis pris C'est dans pas la vrai. tronche. Putain. Ah! Ça Deux s'appelle. Ah oui, je super suis jumps contre mon ratés. average en fait. Ok, c'est peut-être pour ça. Et ça m'étonnerait pas que dans Ninja Gaiden, mon average ça soit 14 minutes, effectivement. Avec le nombre de races qu'on se fait. Oh non! Ah putain, je vais avoir tellement du mal. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour se marrer. Hein. Ah, re-super jump. Ah, Put. quand t'es en train de mongoliser au trou nu, premier laser? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est terrible ça. J'y arrive pas du tout. Mais c'est pas grave, ce jeu est Ça fait un rigolo. sacré Le cap temps entre de deux départ. trains est long en plus. J'ai pas compris, LF, si t'as dit un truc, parce que. Non, j'ai rien dit. Ok, tout va bien. Moi je disais ça va et tout, tranquille, un barbecue la semaine prochaine? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc toi. Tu préviens ta femme et tes enfants. Je ramènerai des bouteilles de rouge. Je sais pas ce que disent les adultes dans Ouais. ces cas-là. Évite le. Ah Évite la putain! piquette de la dernière fois Non! quand même. Oh là là. Putain! Dans 10 secondes, on entend Tifa. Oh, mais j'ai terminé le niveau 1. Bah, il devait être déjà Ah, fini le bah, j'ai niveau 1. terminé le niveau 1. Instant. Ouais. Hein. Putain. Oh, Je bah, vais quand terminer le t'as c'est niveau 1 là. horrible. Ah, mais là j'ai fini. Je suis au niveau 2. Ah, je suis dans le jeu de changement. Là, ça y est, ça commence. Moi, normalement, Franchement. je suis au même endroit normalement, mais là, j'ai chié un laser là. Chié un super jump, deux fois en plus, Un sans chien à honte. laser, ça doit faire mal quand même. Je ferai pas de commentaires, c'est cool. Voilà, c'est bon. On s'en est sorti. Je joue n'importe comment, mais bon, on va dire que c'est une découverte. J'apprends le jeu. Un des rushs. C'est un let's play. Je crois que j'ai pas joué au jeu depuis genre début novembre. Ah ouais, quand même. Bon, en gros, je l'ai Deuxième appris, j'ai fait un travail. PB genre 22 Déjà. minutes, et ensuite j'ai dit ok, c'est bon. Déjà dans l'équipe Orga, bon qui veut faire Ah merde, qui veut faire Deadcore? Bah on aura Prosper hein. Bah oui justement. Ah oui putain. Déjà il y a un monstre sur Deadcore. Ça va, on arrive à s'en sortir. En fait à... c'est pour ça qu'on fait un truc en équipe, on vous l'a pas dit, mais c'est qu'on s'en sort par jeu nous. Je fais Ninja Gaiden, Prosper, je fais Spelunky avec Prosper qui fait Deadcore aussi. Vandal fait Doom. Ah du coup on peut savoir quel jeu vous allez faire. Ah bah vous avez un avantage certain. C'est ça qui est trop cool en speedrun, c'est qu'on peut pas counter-pick dans ce genre de truc. C'est vraiment soi-même. Les autres, on s'en fout un peu quoi. C'est une discipline de dépassement de soi tout d'abord. Quand quelqu'un... Ah putain de merde! La phrase a été interrompue par Ah ça m'a... un événement soudain. Ça m'a frustré. Il a Déjà. rencontré les circonstances. Allez, Twin, tu peux rattraper Tifa sur les loadings. Oui, c'est vrai ça. Sur les loadings.
Hop. Pourquoi? Parce que mes temps de chargement ils durent une seconde. Oh la chance. Il a un PC, laisse tomber, c'est un serveur de, sur TF1 donc. C'est les serveurs de JVC. J'ai volé les serveurs qui hébergent leurs vidéos et c'est pour ça que ça va tout lentement chez eux. Aussi qu'ils étaient pas à la page. What? Sérieux, deux fois que je le rate ça? C'est pas... c'est inadmissible, putain, c'est inadmissible. Ah, okay. J'ai tellement, je me suis tellement vu. FIFA. T'es ouais. Littéralement un va sur un d'avance. Autre channel sur Mumble, s'il te plaît, tu m'énerves. Bon, c'est quoi votre stratégie pour les backup strat du Super Jump du 2? Gagne. Du 2? Pas de backup strat, tu l'as fait direct ou tu reset, c'est ça? Or. Si tu rates le Super Jump. Putain, mais c'est... Quand je suis en PB? Non, quand t'es en race. Je fais 2 ou 3 essais, après je fais backup. Ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, c'est backup aussitôt. Le troisième essai, moi aussi, il passe pas, je pars un droit direct. Oh, putain, mais je suis pitoyable, ça m'énerve. Moi aussi, le race, là... moi aussi pas aujourd'hui. Le ouais, counter pick, ouais. C'est nul. Bah, le counter pick, c'est une stratégie comme une autre, après c'est vrai que... voilà. C'est l'arme des faibles, un peu. Bon, en même temps, c'est si tu perds, hein, donc... Oh, first try. Casse-toi, toi. First try, il m'énerve ce mec, là, lui aussi, là. Ah, first try aussi. First try quoi, je sais pas, mais... une seconde. T'as réussi le super dash jump du 3? Enfin, celui que moi, je fais... Ouais, celui que toi et bro fait, là... Le truc incompréhensible. Voilà, plutôt que de faire un super jump, on fait le super dash jump. Ouais, j'ai essayé un peu. Autant remplacer un truc difficile par un truc encore plus chiant. C'est... Mais bon, ça fait gagner plus de temps, alors... Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bien dur. Je veux y aller. Voilà. Pouf. Ah, le laser, j'ai eu peur. Bon, allez. Je déteste les lasers qui tournent. Oh là là. Les hélices. Allez, une minute de retard sur le niveau 2. Youhou. Pareil. Premier try. J'ai toujours pas fini le niveau 2, alors m'emmerdez pas. Ouais, bah je viens de le terminer là. Hein. Ouais. Mais toi, contrairement à nous, tu n'es pas en retard. Non. Ouais. C'est quoi ton fusil déjà? Oh, genre je peux mourir là, je savais même pas, tiens. 3. Oh, oh là là. Super dash un peu la con. On m'avait jamais tué lui, c'est rigolo. Quatrième try réussi, putain. Quoi? Ah ouais, tu fais 4 tries. Putain, moi j'essaye une fois, je vais super dash un peu. Ouais, mais la backup je la trouve plus chiante. Je fais pas la backup complète qui est la route normale, hein. Je fais juste... Ah ouais, je parle du curve boost. Le curve boost, ouais, il est assez tricky. Je le trouve plus chiant. Non, ouais, je prends encore je prends me la faire backup, chier pendant 5 minutes avec le super dash. C'est une run très mauvaise. Je suis bien déçu de moi-même, ça fait plaisir. Allez. Qu'est-ce que je vise bien? Oh là là, mais c'est okay. Pas possible ça. J'attends que le dash remonte. Et c'est parti. Ah, j'ai hop plus là. Le timing. Oh, ouais. Je suis devant mon average, tout va bien. Même pas peur. Je vous oh, conseille d'essayer le super jump avec le saut clic droit. Ah. Le saut clic droit plutôt. Ah oui, le saut clic droit. Je sais pas, moi ça dépend. Moi genre les curve boost, j'y arrive tout le temps direct. J'aime bien mon setup. Les curve boost, j'ai vraiment du mal. Ouais, les curve boost, c'est ce que je réussis le mieux. Moi j'ai bindé mes dash sur C en fait. Et j'appuie sur C et espace avec le pouce en même temps, en un coup, et ça passe tout le temps direct quoi. Moi, je suis pas complètement stupide ce que tu fais d'ailleurs. Et le saut sur espace. Merci. Je prends ça. De base, venant de toi, je prends ça pour moi comme un compliment. Mais c'est un compliment, merde. Eh oh. Mais non, j'ai sauté. Oh putain, quel con. Oh non, il faut que je recommence du début. Ah, c'est trop bien ça. Putain, j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir refaire le début, mais c'est génial. Un bon entraînement sur le début. Oh, j'étais arrivé là. Oh là. Putain, faut que je reprenne à viser. Oui, plus sur les mais putain, pourquoi je me
presse. J'ai oublié de regarder ma jauge. C'est dingue ça quand même. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça me fait penser que j'ai toujours pas appris la les nouvelles routes. Je prends toujours le Rocket Boost Plus. Ouais, tout pareil. Oh là là, mais c'est pas possible. Yes, c'est passé. Ah, super jump direct encore. Oh là là, mais... Ah, super jump direct encore, c'est rigolo ça. Là, ah, bah c'est dommage, ça ne sert à rien. Ah bah si, encore super jump. Putain, je suis sûr que c'est le nouvel écran qui triche. C'est l'écran qui triche. Il veut flatter ton ego pour que tu le rendes. C'est craqué. Bon, ok, je commence à dire ça et ça ne marche plus. Ça y est. J'ai perdu le mojo. Ah si. Putain, le mojo. Par contre, j'ai complètement oublié comment on passait ça. Complètement. Et pas de skip. J'ai complètement oublié. Je sais plus comment on fait. Salut Gonzo. J'arrive bien les super jumps, mais je sais pas faire ce putain de truc. Ah, le super jump. Arrête de tâcher. Ouais, les gens. Oh ah, et je sais plus comment on fait un super dash jump non plus. C'est quoi les inputs? Je sais plus jouer, c'est minable. Mais sérieusement, comment on passe ce truc? J'ai complètement oublié. Bon, je vais faire comme ça, mais c'est pas comme ça d'habitude. Hein. Et y'a personne qui donne un coup de main à ça aussi. C'est quoi la question? Je sais plus comment on passe un truc. Non, mais vous pouvez pas m'aider, je demande pas d'aide. Ça passe un pixel quoi, sérieux. Ah là c'est mieux. Oups. Alors. Je sais pas. Dégage. Cassez-vous les cubes. Oh là 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 là, putain. T'es au 5 Tifa? Non, je suis au 5. Non, je suis au 4. Je suis au milieu du 4. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de niveaux quand même dans ce jeu. Putain. T'as passé le mur au moins Tifa? Oui. C'est celui-là qui me fait toucher. Je suis dans le tube violet là. Je suis dans le tube. Ah, c'est moche, élève. Ah oui, ouais, oui, ouais, le tube fait. Violet, d'accord. Et là, je pense que ce soir la frustration est des plus complètes. Ah ouais, là c'est en chaîne, dis donc. Ah oui, mais je sais, on se rappelle, je ne sais plus du tout comment on fait ce putain de. Ok, tout va bien. Bon, moi je fais la backup au mur comme d'hab. Je vais encore terminer à 25 minutes. La backup du mur? Oui, c'est quand tu n'arrives pas à faire le wall jump, enfin le wall skip. Dommage, pas suffisamment haut, tu veux, si tu veux. Et du coup, bah je vais moins haut et je vais prendre d'autres trampolines qui sont plus avant, si tu veux. D'accord, je savais même pas qu'il y avait. Non, putain, tu vas essayer de sauter, de faire le niveau, sauter au lieu de dasher en fait et t'arrives à être beaucoup moins haut. Ah oui, d'accord, faire le. Ok. La version du skip, ouais. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Ok, putain, je pensais que tu avais trouvé une route alternative pour éviter non. La route alternative. Mais la route alternative. Bon, en fait, maintenant je dash et je saute en même temps, comme ça si jamais je le rate le dash. Oh, c'est la route alternative, c'est de faire le jeu normalement. Bah ouais. Enfin, la route alternative au speedrun. Hein. Tu vois ce que je veux dire, voyez. Voyez. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à la fin de ce putain de 3. J'arrive ouais, à rien. J'ai mongolisé dessus. Bien 1 minute 30. Bon, ok. Avec quoi, 2 à 3 morts, LF, c'est ça? Quoi? T'as fait 2 ou 3 morts, c'est ça? C'est pas beaucoup, ça. J'ai pas compris. Tu as fait 2 ou 3 morts. Combien de fois te considères-tu décédé dans ce niveau? Ah, dans le niveau 3? Oh là, une bonne quinzaine de fois. Ah ouais, effectivement. Ouais, les speedrunners ils exagèrent souvent. Hein. Non, j'ai perdu 40 minutes. Putain, je me suis retrouvé bloqué 40 minutes, du coup j'ai au moins perdu 15 secondes. Non, là je suis mort une bonne quinzaine de fois au niveau 3. Pour... Mais casse-toi le putain de bloc. Je sais plus jouer à ce jeu, c'est immonde. Déjà sur le skip de la fin, je suis mort facile 5 fois. Ah ouais. Quel mauvais, mais quel mauvais putain. C'est marrant, c'est moi qui ai suggéré ce jeu et je crois que c'est le jeu que je déteste le plus du Dégaton. D'accord. Ouais. C'est pas LF qui l'a.
Ouais, c'est pas... C'est pas non, mais... non, non, il parle pour la présentation des jeux, pour le choix. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. C'est pas LF qui a choisi les jeux. Il aurait bien aimé, mais... On se serait retrouvé avec Tortue Ninja. Ouais, ça c'est sûr. Du coup, vous êtes bien content. Le jeu avec un bel aléatoire. Quoi ? D'où y'a de l'aléatoire ? Y'a pas d'aléatoire. Ah non, le Technodrome, tu peux pas le faire. Technodrome, tu pas. Ah ouais, tu sais quoi ? Vas-y, je te prends au mot. Merde. Oui, je sais bien, toi tu arrives à l'avoir du premier coup. On ne sait pas comment, mais tu arrives. Bon, salaud. Triche, je suis sûr. Comme d'hab. Oh, mais ta gueule, je me décale en visant. Si je l'ai pas du premier coup, je l'ai pas du premier coup. Là. Non. Merci pour cette explication. C'était Captain Obvious. J'aime quand t'es précis. Ouf. Je tiens à être précis dans mes propos. Vous savez quoi? On va pas se faire chier. Non, tu vas pas forfait. Non, je fais n'importe quoi. Queen forfait, c'est rare. Même si je l'ai pas souvent raid, ça m'étonnerait que ce soit le genre. Sur les jeux que je connais bien et qui se sont mal passés, si, ça m'arrive souvent. Ah ouais? Genre Ninja Gaiden, si ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus. Ou pareil, Spelunky, si genre la dernière fois je suis mort 3 fois alors que j'aurais pas dû mourir sur All Mike parce que j'ai fait le con. Du coup ça m'a fait chier. Voilà. Et en race ou en run? En race, en race. D'accord. En général, j'ai jamais fait de run de Spelunky. J'essaye d'éviter, mais... T'as jamais fait de non-race de Spelunky? Non. C'est rigolo. Non, parce que pour moi c'est plus un jeu auquel il faut jouer en communauté. Ça se défend. Je suis d'accord, mais après t'arrives pas toujours au bon moment pour les races et tout. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Toujours est-ce que fatigué, mais de meilleure humeur qu'hier. Désolé, j'ai pas été cool hier. Bah hier t'étais ouais un peu usé, ça se sentait. Putain, j'ai l'impression que tout le monde était d'humeur de chiotte hier soir. Ah, le mardi c'est de la merde. Mais le mercredi non, moi, c'est bien. Mercredi. Bah un peu mieux. C'est plus proche du week-end. Voilà. C'est les bonnes réflexions de chômeur ça. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ouh. Ah, du coup, putain, par exemple, je pense que Gonzo c'est une personne de choix pour le truc par équipe du 30. Parce qu'il est très bon sur certains jeux, mais qu'est-ce il a pas qu'est-ce beaucoup que de c'est que cette histoire encore. Ah merde, t'étais problème, pas là. Y a un problème avec Gonzo, c'est qu'il perd vite ses moyens. Mais ça dépend sur quoi. Le 30, j'or... parlais de quoi. Le 30, j'organise. Y a pas de tournoi, c'est un samedi après, mais y a pas de tournoi gaming live. Du coup, on va organiser un petit tournoi fun, non pas streamé par équipe. Où on fait des équipes de 4 et chaque personne. Il y a en gros 12 runs à faire et chaque runner doit faire 3 runs. Et du coup, il faut bien équilibrer son équipe. Tifa ne participera pas, il n'y a pas d'étoile en jeu. Ouais, mais. Sûr que si, moi je joue pour le fun. Ouais, bon, vous m'expliquerez plus tard. T'inquiète pas, ça viendra. Putain, on sent le réveil matinal. Ouais, non, mais c'est compliqué ça. Là. T'inquiète, y a pas de problème, y a pas d'embrouille. Moi, je sais plus jouer à Dead Core, Gonzo, je suis honteux. Moi, j'ai jamais su jouer, donc je sais pas. Ah, mais là, on dirait que c'est la première fois que je joue au jeu, c'est fantastique. Bah en fait, je suis venu sur Mumble parce que le stream il buff trop. Ah merde. Putain, pourtant j'ai vraiment baissé la qualité de mon stream. Non, mais okay, c'est niveau 4 terminé. C'est la misère le soir. Non, mais là, il saccade en fait le stream. Mon stream saccade? Ouais, pour moi il faut une saccade. Bah c'est bizarre, je suis en 60 FPS, ouais. Je drop pas une frame. Ah non, ok, non, c'est moi, j'ai rien dit. Ok. Moi je mets tes pauses toutes les 10 secondes. J'appuie en continu sur la barre espace, ça saccade, je comprends pas pourquoi. Voilà, ça va mieux comme ça. Qu'est-ce que t'as fait du coup? Ouais, j'ai simplement mis Chrome avec un seul pros et il apprécie pas. GG Tifa. Ouais, genre il a fini quoi. GG. Bâtard. Mais... GG en fait. C'est la classe. Le mais je t'ai dit. Oh, bon, d'accord, c'est plus simple que Ninja Gaiden. Le Derust is real. Hein. Ouais, c'est mieux. C'est mieux que NG2. Oh non, putain, je voulais pas le prendre, tout en plein. Putain. Ah.
Honnêtement, je vois pas comment on peut avoir du motion sickness sur Portal et pas en avoir dans le niveau 4 de Discord. Ah, je suis d'accord. Question d'habitude, hein. c'est comme tout. Tu parles par rapport à Prosper ? Ouais, Prosper, il y arrive. Mais Prosper, pas, c'est hein. Bon, Portal, il nous a dit le dernier coup, il arrive mieux maintenant. Ah ouais ? Ouais. Ça saccade un peu, mais ça passe. Putain, c'est dingue. Il a pas de mercal. Moi, pour moi, le stream, il passe la gravitation. Chez toi, le stream lag ? Non, il passe très bien. Bah, le chez moi aussi, du coup, je comprends pas. Donc, Et pourtant, encore une fois, hein, je... Et encore, moi, j'ai 3 streams de lancer avec Twitch, hein, donc... Ouais, mais ça, si ça laguait alors qu'il y avait ça, ça pourrait être de... Non, mais j'avais fait un réglage pour avoir qu'un soccer qui s'occupe de Chrome, mais c'est pas une bonne idée. Effectivement. Ouah. Chrome aime les ressources. Chrome prend toutes les ressources. Non, mais j'aimerais bien trouver un bon navigateur qui travaille comme Chrome, mais j'arrive pas à trouver mon petit bonheur. Ah, moi j'avoue, Chrome pour moi ça a trop d'avantages, ça compense largement les inconvénients. Parce que franchement là, il prend un peu trop de ressources pour à mon goût. Du coup, je vois que les gens dans le chat essayent de me communiquer des informations. Oh merde! Mais je n'arrive point à savoir lequel. Tu streams toujours en 60 FPS, Twin? Ouais, toujours. Pourquoi? D'accord. Oui, d'ailleurs. Non, oui. Parce que je regarde les stats et je me disais que c'était peut-être ça. Parce que par exemple, Prosper, son stream il est jamais regardable chez moi. Ou alors petit à 3h du mat. Non, mais c'est parce qu'il met 3000, je sais pas combien, lui. C'est dingue. Et du coup, je m'étais dit que c'était parce qu'il streamait en 60 et je sais pas combien tu streams. Et... Non, je stream toujours en 60. Je supporte vraiment pas, moi, les streams en 30. Ouais, le mien il est en 30. Bah ouais, mais je regarde pour toi, mais si je regardais pour le plaisir, ça me ferait chier. Justement, j'ai une petite remarque à te faire. Mm-hmm. Avec tes 60 FPS sur mobile, ça fonctionne pas bien. C'est vrai ? Ouais, ça. Chez moi, à chaque fois que je regarde sur ma tablette, je sais pas, ça saccade. Ouais, c'est pareil sur mon. C'est bizarre parce que moi, je regarde en 4G, je regarde plein de streams 60 et j'ai jamais aucun problème. Bah là, je suis désolé de te dire. Et pourtant, j'ai essayé plusieurs applications. Hein. Et à chaque coup, j'ai le même résultat. Bah, je sais. Pas. T'as essayé chiant. Twitch ? Oui, justement, t'as Twitch. Merde, c'est quoi ? ACE que j'ai essayé. Et Vortex. Putain, il y a plein d'applications comme ça, je savais pas. Vous avez vu le record du monde de Deadcore qui fait le 100% ? Qui ça, Borgva, il fait un 100% ? Y a un... Non, c'est pas Borgva, c'était un autre mec qui faisait un 100%. Ah, le record du monde du speedrun du 100%, non, j'ai pas. Ouais. Et chaud, oh, c'est quoi ce ouf, bug? Oh! Il ramasse toutes les upgrades et toutes les last spark à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai oublié d'aller chercher un. Mais c'est vraiment hyper optimisable. Ça se voit que la run elle est ouais. Comment on fait dans le 5 quand l'ascenseur est déjà en haut et qu'on est retombé en bas? Tu resets le niveau. C'est une blague? Non. Parce qu'en fait, j'ai bugué, j'ai glissé dans le mur à un moment juste avant de prendre le TP quoi. Ouais, du coup, c'est le lecteur Twitch qui déconne parce qu'il est tard, je comprends. Mais qu'est-ce que je fais? Oh merde! Et donc, Elef, le record il est combien? En 100%? 29 minutes et des bananes. Mais franchement, c'est une ancienne en route. Il est largement optimisable, mais le mec joue trop bien. Ah, mais. Bon, déjà, il fait les méga jumps, hein, donc. C'est pas une run de Sigma? Si, je crois que ça doit être Sigma. Oh putain, je fais de la daube en plus. Ah, ça fait chier! Bon, j'étais à 23 ED, mais bon, j'ai fallu faire point d'on. Oh non, pas GG, non. Attends, j'ai oublié d'activer un réacteur, s'il te plaît. Le mec, il écoutait tellement les gens parler. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon. Mais t'es l'homme qui faisait des pibiens en live pourtant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est le samedi. C'est le live de samedi. Ah, uniquement le samedi. Voilà, c'est ça. Le samedi de 15h à 20h. Non mais je sais pas, des fois le samedi, j'ai l'impression d'être tellement à la bourre dès que je fais un petit fail que je me presse comme un malade. Que je joue bien et que du coup... Bah ouais voilà, c'est ce qui m'est arrivé sur Doom en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé sur Doom.
m'as fait pareil tous les jours. J'étais mort une fois tout au début, j'étais tellement paniqué que... Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? J'ai gagné du temps comme un fou derrière. Oh, le bâtard! Putain, j'ai envie de forfait. Mais non... Mais va-t'en d'ici. Attends... Et là-dessus, que Shadow, t'en as... à combien de level sur Doom? 29. Bah, je l'ai fait la semaine dernière. Moi, j'étais tout prêt à chaque fois hein, dans mes... L'enfoiré! Je me suis fait coincer parce que j'ai tiré trop tôt. J'oublie les subtilités de cette putain de run. Ah, oh, fais chier. Je n'y arrive point. Eh oh! C'est pas le moment de me laisser tomber, monsieur le... Hop. Bon bah moi je vais me refaire un petit Metroid alors. Le temps que ouais, tu finisses, j'ai le temps de faire un Metroid. Ah non, non, quand même, je sais pas dire ça. Si elle arrive à le terminer, chapeau. Oh mais merde tellement alors. Tellement mauvais ce jeu. Mais là, j'avoue que je pensais quand même que je ferais moins d'une demi-heure, mais en fait, non. Mais non. Quoi, t'en es où, là? Je sais pas. C'est peut-être ça, le problème. Ça s'annonce plutôt bien. Je suis dans le coin, si vous cherchez. Je tiens à dire que ce qu'a conseillé Beru, là, il y a deux secondes sur ton chat... Enfin, il y a deux secondes, il y a 10 minutes sur ton chat, c'est pas mal. Il a suggéré quoi? Une espèce de player en passant par Media Player, player ouais. Classique. Ouais. C'est cool, ouais. Moi j'avais essayé le truc avec VLC, mais c'était un peu de la merde. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis con. De la hein. Merde. J'ai envoyé l'ascenseur sans être dessus. Merci, Barry. Ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé ça. Ah, je vais faire ça aussi, ouais. Tu veux gagner du temps, du coup tu tires et... Bah ouais, je vois la cible, je tire. Oh merde, mais du coup il est parti. Non mais reviens. Ouais, ah il revient. Il est parti. Attends, il y a moyen de le faire revenir, je crois. Lequel l'ascenseur? Le premier? Le deuxième. Ah ouais, il faut que tu meurs et que tu... Non, non, je suis mort et... Ah, il est revenu, ça y est. Putain. Oh, bien. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais il était bugué. Il avait pitié. Ah, mais il est reparti et il est remonté. Et il est reparti. Ok. Faire. Ah. Ah non mais... En fait il fait des allers-retours là. Attends. Oh, genre il y avait quelqu'un d'autre qui avait appelé l'ascenseur quoi. Hello. Ding. Attention à la marche monsieur. Pas de pro... Bonne journée monsieur. Je vais faire sortir quelqu'un, le poids maximal a été dépassé. C'est quand ta maman monte dans l'ascenseur ça. Il faut pas le dire. Ouh, ça va trop loin là. Oh, c'est bien, c'est une qui dit. Ouais, c'était moi qui disais, et ensuite c'est moi. Mais moi je peux pas m'en empêcher, comme on a commencé sur ces ambiances là, et les blagues sur les mamans, ça me fait tellement rire. Ah, bah, tu sais quoi, c'est le seul truc que je peux pas moi. Tu m'entendras pour ainsi dire jamais. Tiens, je vais tester Tortue Ninja tant que. Ah, comment ça change? Moi je trouve ça marrant parce que c'est tellement un mème, c'est tellement bateau que ça touche plus à la personne, c'est une blague sur les mamans, tu vois, c'est... Ça touche pas à la maman en particulier, c'est juste toutes les mamans du monde, quoi. Ah. Ça insulte tout le monde en même temps, pas juste la personne à qui on parle. Ah. Je vais quitter rapidement Mumble, je reviens normalement après. Faut que j'aille voir quelqu'un. Ouais, fais caca. Faut que j'aille voir quelqu'un. Non. Bah sur TeamSpeak on m'a demandé. Ah pas de problème. On veut là. Pas hein. Pas encore. Mais je le dis. Bon on est triste hein mais. C'est pas grave. Ah, il nous laisse Twin, tomber. Est-ce que. Oh, allez, est-ce qu'on revient, j'ai dit. Enregistrer en 60 en plus sur le pros et tout ça. Quoi? Un. Si jamais on enregistre sur en local avec OBS en 60 FPS, est-ce que ça demande plus de ressources? Il y a deux questions en fait, j'arrive pas à savoir si ta question elle est sur l'enregistrement local ou sur le 60 FPS. Sur. Non, merde. Sur, est-ce que ça change quelque chose au niveau des performances demandées si on enregistre en 60 FPS au lieu de 30 FPS? Non, mais si t'enregistres en local, ou c'est, la question c'est est-ce que. J'arrive pas à vraiment. Donc, je peux pas streamer en 60 FPS quand je fais que du local. Bah, faire que encodé local, en 60 FPS, encodé en 60 FPS, ça demande un tout petit peu plus de ressources, ouais. Ok. Mais pas tellement plus, parce que de toute façon c'est activer le ISO 64 qui chope des ressources. 3. Et sa qualité. Ensuite, que ce soit du 60 ou du 30, ça change pas grand chose. Ok.
On va voir. Mais potentiellement un peu. Mais en gros. Attends, ouais. C'est pas. Ah, j'ai fait la mort la plus stupide possible. Je crois que ça faisait vrai. Longtemps que j'avais pas fait ça. GG. Beromondo, quand est-ce que tu nous refais du 1001 Space du coup? Je suis un peu. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que t'as pas pris un record du monde. Non! Et on va voir si j'arrive à avoir le premier technodrome. Yes! Y'a combien de technodromes? On peut en avoir 3. Y'a 3 technodromes? Non, ouais. En fait, y'en a un, mais il peut spawner à 3 endroits. Ah! Voilà, il spawn à 3 endroits différents. Et en fait, j'ai un setup en début de game. Et à chaque fois que je fais ça, je trouve le moyen d'avoir le technodrome du pas premier à activer coup. Le truc derrière les barreaux quoi. Il est connu ce setup ou c'est une bricole pas. Que tu fais toi? C'est une bricole que je fais moi. Ok, donc. Il fait du superstition. Donc, ouais, okay. C'est de la superstition, mais c'est de la superstition qui a toujours marché. Garde les strats. Oui. Bah, les superstitieux disent que ça marche toujours la superstition, sinon ils seraient pas superstitieux. Tu sais ce que je veux dire? Et ça consiste en quoi cette superstition? Bah apparemment il fait une petite magie et ça lui donne la bonne RNG dans son jeu. Ça. Mais justement je le fais pas mal de fois et à chaque fois ça a marché, c'est bizarre. Non mais c'est une question sérieuse, tu fais quoi? Enfin à moins que ce soit une technique secrète. Je le mets sur l'écran de présentation, j'attends que la cinématique arrive, je reset la cinématique deux fois. Le troisième, je lance le jeu. Ouais, mais ça, c'est pas forcément de la superstition, parce que les mecs qui faisaient du Final Fantasy VI, ils ont trouvé le moyen, en resetant la console 33 fois, de manipuler la RNG ou je sais pas quoi. C'est à partir de là que le... Ouais, mais tu vois bien qu'un truc trouvé empiriquement par un LF tout seul, et pas par un mec, un tasseur ou un truc comme ça, c'est très curieux, quoi. Bah non, c'est LCC qui avait trouvé... C'est vrai que je l'avais entendu, cette histoire-là, avec FF9. On en avait discuté avec... C'est MV qui en avait parlé, qui disait qu'il avait arrêté de runner le jeu parce que ça le gavait, ce genre de conneries. Donc si ça se trouve, il y a un vrai truc, hein. Ça m'étonnerait, parce qu'il aurait il y a déjà un tasse dessus... C'est vrai que là ça paraît quand même bizarre sur Top Ten Ninja, vu que si tu reset entièrement ta valeur de la console. Donc... Non, je reset pas le jeu. Peut-être la cinématique. Mais oui, mais tu reset quand même l'état de la console. Ah, mais je suis con. Non, je. En fait, je suis sur l'écran de présentation. Oh la vache. La cinématique d'intro se lance, j'appuie sur Start pour couper la cinématique. Oui, c'est encore pire, Gonzo, en fait, sa bricole. Ah, ouais, non. Parce que autant. Oui, là tu. Ouais, tu changes les valeurs dans la RAM là à ce moment-là, effectivement. Je reset pas le jeu, j'ai aucun intérêt de reset le jeu. Moi je crois dans la superstition. C'est vrai que là tu changes les valeurs que t'as dans les RAM. Putain, j'arrive pas. C'est totalement normal. Donc oui. C'est totalement normal. Non, mais ça peut être possible, effectivement. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Sans un RAM Watch, je n'y croirais pas. C'est vrai que c'est bon, voir avec ça, ça serait bien. Mais maintenant, quelle valeur regarder? Tiens, oui, c'est pas con ça en fait. S'il y a un tas, normalement, t'aurais toutes les infos mémoire. Non mais en plus, je me suis renseigné beaucoup sur Tortue Ninja, j'ai toutes les données des dégâts, de tout ça. Et, et ils avaient dit que c'était purement du hasard. Purement et simplement du hasard que t'avais 75% de pas tomber sur le premier truc, donc ça tenait... Oui, mais je parle pas au niveau de ça, je parle... Mais attendez, je l'ai vu le truc. Est-ce que dans le tas, t'aurais pas... justement, ils auraient pas déjà noté une valeur... 32-12, oui. Putain. Teste-toi, toi. J'ai battu mon PB de 6 minutes. Ah, merde. Bon, j'étais à 38 minutes, d'accord, mais bon. Mais c'est quoi ce truc en fait? Ah mais non, c'est le truc, ok, je suis con. Je suis complètement con. Je vais reprendre des explications. Tu t'es pas renseigné, LF, pour le TAS, ils auraient pas trouvé une adresse mémoire pour si le Technodrome serait en première position ou quoi? Je sais pas, j'ai pas été fouiller mes recherches jusque là. Tu regardes la submission du jeu sur TAS vidéo, hein, t'as plein d'infos de ce type là.
Parce que si t'as l'adresse mémoire, tu pourrais vérifier si ta magouille fonctionne. Ah, ça m'étonnerait. Parce que sinon... C'est vrai que ça m'étonnerait fort aussi qu'ils auraient trouvé cette adresse-là, mais... Renseigne pas, dans l'eau là. Avec Leonardo. Tiens, t'étais renseigné pour tes races. De quoi? Justement. Si il y avait des races qui se faisaient avec une seule tortue uniquement. Je sais pas, ouais, je vais de toute façon, je vais en faire une avec que Donatello. Je vais faire une run qu'avec Donatello et une autre qu'avec Raphaël, je vais le faire. Putain, évidemment, il choisit les meilleures tortues pour son truc. Non, Raphaël, c'est vraiment merdique. Je me rappelle plus. Raphaël, c'est la... En gros, Donatello, c'est le meilleur de chez meilleur, et Raphaël, c'est la une bouse de chez bouse. Ah ouais, c'est les petits couteaux. Ouais, ah, c'est ça, avec les sailles, ouais. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai vu qu'une seule run avec Raphaël qui avait été faite, c'est par Kerzenon. Et il a fait combien, une demi-heure? Je te l'avais dit, mais je ne sais plus. Que moi, si je le fais, je mets une heure. Je mets 50 minutes à la faire, parce que je vais jouer hyper safe. Et en plus, il faut encore avoir le technodrome assez vite. Plus vers le milieu du cube. Sinon... Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je vois. Non mais avec Donatello, la run elle va être easy. C'est juste l'eau qui va être chiante. Bah faut pas mourir quoi, du coup, si tu prends des dégâts random de merde, c'est chiant. Ouais, mais y a très peu de random au niveau des dégâts sur Tortue Ninja. Une fois que t'as géré ta... Tu connais bien ta run et tout, y a très peu d'aléatoires. Sauf le technodrome. Ah non, il faut faire un dash en fait là-dedans. Okay. Avec les tortues? Ouais, il faut faire un dash avec les tortues. J'ignorais cette technique. Hop, ça s'est bien passé. Je sais même pas si mon stream il fonctionne encore. J'ai pas de... Oui, ton stream tourne toujours. T'as rassuré. Ah oui, j'ai mis ton stream. Putain, faut aller là. Oh là là, cette chatte! Je sais pas si ça va passer. N'importe quoi ce que je viens de faire. C'est encore... Ah, mais 36 minutes in game time, c'était parfait. Putain, pas ça. Ah, faut que je batte mon PB. Ah, il est dur ce jeu, j'avais oublié. Je vais faire mon sub 4 au fait. Ah, j'ai oublié. Bon, on joue à quoi les gens? Est-ce que Vinkazer est revenu? Ah, il est revenu. Il est revenu? Bah, je sais pas, il est là, mais en muet. Ouais, mais il est là depuis tout à l'heure, mais... Ouais, bah c'est qu'il a pas encore mangé. Qu'il est pas encore revenu. Oh, ralentissement. Tac, tac, tac...